Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue à cette autre présentation de la technologie de transport à code. Et comme d'habitude, je suis Donatien Gérard et ce soir, je vais vous entretenir sur plusieurs différents aspects de la technologie à code. Nous allons commencer bien évidemment par les dernières nouvelles du projet. Ensuite, nous verrons quels sont les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous parlerons des problèmes et des risques de sécurité que le système de transport actuel rencontre. Nous verrons les possibilités et les perspectives du transport innovant Yousky qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai par la suite comment vous pouvez contribuer aisément à l'avènement de ce transport écologique. Nous verrons donc par la suite qu'est-ce que Skywalk Community vous offre et quels avantages, perspectives et bénéfices vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, nous commençons par les dernières nouvelles, bien évidemment. Anatoly Yunitsky a discuté avec l'équipe de l'installation d'un rail à Sharjah. Le fondateur du projet, Anatoly Yunitsky, a tenu une réunion de travail au centre de test à Sharjah. Les participants à la réunion ont discuté de l'installation de rails à cordes sur la piste numéro 4, de la sécurité sur le chantier ainsi que du travail avec les entrepreneurs et les fournisseurs. Une partie de la réunion s'est déroulée dans un pavillon couvert où une maquette d'un rail à cordes est présentée à l'échelle 1 sur 1. A récemment vu le jour. Je veux dire, ce pavillon a récemment, bien évidemment, vu le jour. Sur son exemple, on peut montrer de quel élément la structure est composée. Le même rail est monté sur la piste numéro 4 d'une longueur de 2,4 km qui est conçu pour tester l'Unicompte pour le transport de marchandises de poids jusqu'à 60 tonnes et l'unibus de passagers d'une capacité accrue. La réunion a aidé les spécialistes à trouver des solutions qui simplifieraient certaines étapes de l'installation, ainsi que des exigences élevées en matière de sécurité et de respect de l'environnement pour les travaux spécifiques. Le transport à cordes a intéressé un représentant du ministère du Tourisme de l'Inde. Le Centre d'essai de la technologie à cordes de Sharjah continue d'accueillir des délégations du monde entier. Cette fois, le site a été visité par Dhyan Singh Rathore, un représentant du ministère du Tourisme de l'Inde. Il était accompagné de Cyril Saji George, associé directeur de la Société de construction internationale Ecolith Building Contracting. La réunion a commencé par la présentation du projet, au cours de laquelle les invités ont pris les avantages, ils ont appris les avantages du transport à cordes et ont discuté de l'application de la technologie dans le secteur du tourisme en Inde. En particulier,
Jian Singh Rotor s'intéressait à la construction de chantiers dans les montagnes de l'État de Goa. À noter qu'aujourd'hui, le projet dispose de toutes les ressources nécessaires pour réaliser des commandes commerciales dans n'importe quelle région de l'Inde, quelles que soient les conditions paysagères et climatiques. Les délégués ont également présenté un modèle de transport à grande vitesse qui peut atteindre jusqu'à 500 km par heure hors de la ville. Les invités ont particulièrement apprécié le salon confortable et le système multimédia de la machine. À la fin de la visite, les représentants du centre ont offert à Jian Singh Rotor une monographie du fondateur du projet, Anatoly Nitsky, et l'invité lui-même a laissé un commentaire positif dans le livre d'or et a souhaité une mise en œuvre rapide de la technologie en Inde. Magnifique, de nombreux projets, on se rend compte que de nombreux pays se discutent la technologie partout dans le monde. Et ça ne fait que commencer, les gars, ça ne fait que commencer. L'offre Face of Future est ouverte à l'investissement. Waouh! Jusqu'au 12 août. Jusqu'au 12 août 2022 à 18h GMT plus 3. L'offre Face of Future est à nouveau valable dans nos back-office. Nous sommes aujourd'hui le 8. Donc, il reste 4 jours. L'Office of Future est à nouveau disponible dans les back-office, avec laquelle vous pouvez faire n'importe quel montant d'investissement avec un escompte de 1 sur 90 et obtenir un hologramme avec votre photo au musée de l'Éco-Technoparc. Comment obtenir donc cet hologramme? Faites un investissement dans Face of Future. Le pack, c'est 500 000, c'est 5 000 dollars, autant pour moi. Vous pouvez le payer sur 10 mois à raison de 500 dollars par mois et vous obtiendrez 450 000 parts dans le projet. Sur la page Face of Future, téléchargez votre photo selon les exigences et sélectionnez le modèle de transport à cordes qui s'affichera sur l'hologramme. L'hologramme fini apparaîtra sur la page Face of the Future dans les rubriques Mon hologramme, Galerie et au musée de l'Éco-Technoparc. Vous pouvez créer un hologramme uniquement après avoir payé la totalité du montant d'investissement en respectant les conditions d'investissement, soit 500 dollars par mois pendant 10 mois ou le pack de 5 000 dollars Face of Future et vous obtiendrez 450 000 parts. C'est 275 000 parts de plus que pour un investissement unique du même montant à l'escompte standard de l'étape actuelle. Si vous avez déjà profité de l'offre Face of Future, vous pouvez à nouveau y investir avec l'escompte 1 sur 90, un nombre illimité de fois jusqu'au 12 août 2022. En Biélorussie, la présentation de la plateforme d'adaptation et de formation Smart World Community a eu lieu. Les 20 au 22 juillet en Biélorussie, sur le territoire de l'Éco-Technoparc Aquarelle, a eu lieu un non-forum de 3 jours, oui, SWC 3.0, pour les partenaires et les membres de l'équipe. L'événement a consacré, okay, l'événement a été consacré à la présentation de la nouvelle plateforme d'adaptation et de formation Smart World Community. La plateforme informatique Smart World Community est une plateforme de marché pour les partenaires avec les outils éducatifs et sociaux pratiques collectés dans le monde entier. Sur la plateforme, certains partenaires seront Chaque partenaire sera en mesure, autant pour moi, de suivre une formation sous la surveillance des mentors, d'exécuter ses devoirs et d'obtenir de la rétroaction, de perfectionner ses compétences grâce aux cours offerts par les meilleurs experts, vente, création et développement d'une marque personnelle, networking, esprit d'équipe et autres.
d'échanger aussi des expériences avec des partenaires d'autres pays. C'est magnifique. Alors, nous parlons ici de transport à cordes. Mais qu'est-ce que c'est? Il s'agit ici d'une solution innovante au problème de transport moderne, à savoir le transport des marchandises et des passagers à grande vitesse et à hyper vitesse même. C'est un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis qui donne la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. En 1914, l'usine de confiserie russe appelée Eniem produisit des bonbons avec des essais publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi qu'il a représenté le monde dans un avenir proche. On voit là une escatade ajourée avec un wagon suspendu. Dans l'illustration suivante, on voit les voitures et les tramways qui entrent en collision. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sous les roues. Dans le ciel, on aperçoit toujours le même tramway céleste. Cette situation que vous voyez ici nous est déjà familière et pas seulement sur les images, non, c'est notre monde. C'est le transport des niveaux 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises. Les navires sont donc obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne, le trafic dense des routes et ainsi que la mort des personnes causées par le manque de sécurité. Bien évidemment, en construisant des routes, l'homme envahit la nature. La nature, elle vit sa vie et essaye de résister à l'homme tant bien que mal. L'homme reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Le prochain problème majeur de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. Le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Mais comment? Certains vont me poser la question. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons indirectement à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir de combustibles fossiles, qui, eux, polluent l'environnement. L'un des moyens donc de sortir de cette situation, c'est de créer des véhicules qui consomment moins d'énergie. Donc, nous entamons le quatrième problème majeur, qui est celui de réduire la consommation d'énergie. En différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est toujours réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Alors, des tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier en Allemagne et de nos jours en Chine. Un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol, mais c'est la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour des raisons quelconques, personne n'a pu combiner jusqu'à aujourd'hui ces deux technologies, le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leurs simples roues rouleaux, pas des roues électriques, nous obtenons un nouveau système
de transport. Bien évidemment, il ne faut pas le confondre avec le funiculaire. Ces derniers n'ont pas de port au moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur le flanc de la montagne. Donc, le transport que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Qu'est-ce que U-Sky? Il s'agit d'une infrastructure à cordes constituée de villes linéaires, écomaisons et ports maritimes. La mise en place de systèmes de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet U-Sky. Plus les pistes à cordes apparaîtront dans le monde, le besoin de changer l'infrastructure des zones, des villes, des zones suburbaines est grand. Avec l'introduction du transport à cordes, il sera de moins en moins nécessaire de couper les forêts, de construire les routes, des voies ferrées et utiliser d'autres méthodes similaires détruisant les écosystèmes dans les zones de développement. Ici, c'est une image des comaisons. Une autre perspective ou démonstration de ville linéaire. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Notez bien cette assertion. Donc, fixons-nous le problème qui consiste ici à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. On est tous d'accord. D'accord. Selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore. On peut voir tout cela sur cette image. La prochaine étape consiste à créer une fondation multicouche de 2 mètres sur la route. Et c'est seulement alors à ce moment que nous pouvons poser le rail et laisser rouler le matériel roulant. Afin d'éviter des travaux de terrassement, lourd et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Rappelons la méthode utilisée par les enfants vue précédemment au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, on va donc poser le câble. Le support lourd n'étant donc pas nécessaire, on les remplace en ce moment par des supports légers. Et on va ainsi tirer le câble et fixer donc ses extrémités ainsi dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Nous enlevons ensuite les supports intermédiaires qui n'étaient pas du tout nécessaires et ainsi nous plaçons notre câble dans une enveloppe et nous obtenons une structure de rail unique. Voici donc en section à quoi ressemble cette structure de rail. On a la tête du rail, on a les cordes qui sont des faisceaux de fil d'acier précontraint. On a un agent de remplissage qui est un béton spécial et on a le corps du rail. Sur cette base donc, il est possible de créer 3 types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Une structure de rail semi-rigide qui peut supporter des véhicules pouvant aller entre 50 et 250 km par heure. Une structure de rail flexible pour des véhicules allant entre 30 et 150 km par heure. Et une structure de rail rigide 100 à 500 km par heure. Voici la conception du châssis. On peut voir clairement à l'intérieur les différents éléments. On voit la roue moteur, l'inverseur de moteur, un radiateur, des batteries d'accumulateur qui permettent d'accumuler l'énergie que le véhicule utilise au cours de son déplacement. Bien sûr, la conception nous présente ici son système anti-déraillement spécial. Regardez ici les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ceci, c'est un photomontage qui montre les haubans supportant le vrai pont.
Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure des trajets à cordes. En passant dans ce cas, donc, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. Et la largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Ceci n'est plus un photomontage, mais une vraie photo prise en octobre dernier au Centre de recherche et d'innovation technologique à Sharjah. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rails à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier sur rail en acier. Il est possible de réduire la structure sur, de réduire la charge autant pour moi sur la structure de trajet et augmenter la capacité de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons aux photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues moteurs sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsqu'un véhicule roule à une vitesse qui augmente, sa consommation d'énergie augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation d'énergie de celle-ci. Sur le transport de second niveau, donc, les flux d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet la performance unique et inaccessible. Voici l'appareil qui vient d'être présenté sur le schéma précédent en grandeur nature. Ce tuniflash peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. Maintenant, rappelons les problèmes liés au transport moderne. La surcharge des voies de transport, manque de sécurité, la pollution, la forte consommation d'énergie. Alors, dans ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport à cordes que Yuskay offre est la solution donc la plus optimale dans tous les paramètres technologiques. Ici, on peut aussi voir clairement l'avantage du transport à cordes en termes de temps de délivrance et coût de délivrance. Et voici les comparaisons de déplacement terrestre les plus modernes, à la fois opérationnelles et même projectées. On se rend compte que le transport à cordes est près de 10 fois moins cher que tous les concurrents existants. Donc, nous pouvons dire que Yuskay, le transport de deuxième niveau, est un transport léger, rapide, économique et écologique. Alors, tout le monde peut investir. Nous proposons des investissements pour tout budget à partir de $50. Le plan de versement est très pratique. Il peut être divisé sur 5 mois. Il y a aujourd'hui plus de 400 000 investisseurs dans le projet, y compris des hommes d'affaires, des ingénieurs, des personnes de différentes professions. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour pouvoir rejoindre le projet? Contactez la personne qui vous a parlé de ce projet aujourd'hui. Cette personne vous aidera à vous inscrire, vous aidera à faire la vérification de votre compte. Ainsi, vous pouvez avoir accès aux différents packs d'investissement et faire votre choix. Je vous conseille de prendre le maximum de parts dans ce projet. Les perspectives d'investissement, qu'est-ce que vous gagnerez en investissant dans ce projet aujourd'hui? Alors, premièrement, des dividendes. La mise en œuvre réussie du projet vous donne droit à des dividendes chaque année. 20% des dividendes seront reversés aux actionnaires de tous les bénéfices que l'entreprise va réaliser. Et l'entreprise a déjà commencé à réaliser des bénéfices cette année. Le rachat d'actions. La société peut annoncer le rachat d'actions. En octobre 2018, elle a fait pour les 5000 premiers investisseurs de la société et ils ont pu revendre leurs actions à un montant allant jusqu'à 10 fois le montant investi. Les actions de votre, les actions que vous possédez sont votre propriété. Vous pourrez les léguer en héritage à vos enfants et petits-enfants. Plus tard, la société
décider d'une entrée en bourse. Et vous pourrez donc, en ce moment, bénéficier de la hausse de la valeur de vos actions sur le marché boursier. Voici le monsieur qui a l'origine de cette technologie magnifique, le docteur Anatoly Yunitskiy, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul, d'expérience pour que sa création voie le monde. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être facilement trouvés sur son site. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des détails bien élaborés. Ici, on peut voir les différents modèles de transport de passagers qui existent dans la technologie. Ce sont des images en grandeur nature ici. Ici, nous avons quatre modèles de transport pour les marchandises: Unitrans, Unitruc, Unicont. Le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus des roues et de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement, occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes ni les forêts ne sont des obstacles, non. Elle n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies d'immigration des animaux, la couche fertile du sol. Le transport à cordes s'intègre donc facilement dans le paysage naturel. Au début de 2020, ce transport a été présenté à 18 grandes expositions internationales. Il a toujours attiré beaucoup, beaucoup d'attention. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, a subi de nombreux tests d'essai et documents confirmant que le transport à cordes a pas pu être facilement trouvé sur son site. La technologie de transport à cordes a obtenu 83 brevets dans 18 pays, des États-Unis à la Chine, et ici, plusieurs certificats et récompenses également. Il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a ici. Vous pouvez tous les retrouver sur le site web uniski.ingénieur. Sans aucun doute, il n'est pas possible pour un seul homme de mener à bien un tel travail titanesque. Non. Voilà pourquoi la société Unisysting Technologies, CO, a été créée en Minsk, en République de Biélorussie. Et depuis 2019, cette société emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. L'ensemble constitué des bureaux d'études et des départements et la propriété des bureaux et de production couvre une superficie totale de 10 000 mètres carrés. Voilà. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont été conçues et fabriquées pour le transport urbain de passagers et interurbain et de marchandises. L'argent des investisseurs a permis de construire un éco-technoparc non loin de la ville de Minsk en Biélorussie, précisément à Marina Gorka. Et chaque année, à l'heure de l'écofest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux et s'assurer de la réalité de tout ce qui s'y passe. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau est montré ici. En septembre 2018, on a commencé la construction d'un centre d'innovation Yuskay aux Émirats Arabes Unis, dans l'émirat de Sharjah. Le centre d'innovation UST sera un groupe de recherche et de production sera donc un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos ici sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Le transport aux Émirats arabes unis sera une preuve supplémentaire que ces technologies peuvent fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre et cette technologie, dans un avenir pas si lointain, s'intégrera à la nature comme le fait aujourd'hui le métro ou le tram. Ils ne nous surprennent plus du tout.
Nous pouvons résumer en disant que le transport Sky est un transport innovant, qui se déplace au-dessus du sol à haute vitesse, sûr, efficace, facilement intégrable et surtout, surtout respectueux de l'environnement. Et comme d'habitude, je vous laisse avec cette belle vidéo de présentation de notre technologie de transport à côte. Je vous dis merci pour votre aimable attention et à la semaine prochaine pour d'autres dernières nouvelles. Ciao.